Bien bonsoir très chers amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux. Je suis pas encore guéri, je suis encore bien malade, vous voyez, je parle pas mal du nez, j'ai les oreilles... Enfin bref, on s'en fout. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur SimCity. Oh yeah, j'avais envie de revenir, ça fait 2 semaines que j'y ai pas joué. Bah ça fait beaucoup, hein, mine de rien, 2 semaines. Enfin, aux environs. Donc je vous rappelle ce qu'on avait fait la dernière fois, à peu près. On va zoomer un petit peu sur Petrol Town. Bon, j'essaie encore un petit peu de tousser, mais ça va mieux normalement. On avait quand même beaucoup de problèmes au niveau demande de population pauvre. Donc comme vous avez pu... Enfin, comme je m'en souviens, je l'avais fait dans l'épisode d'avant. J'avais essayé de réduire un tout petit peu la valeur du terrain à ce niveau-ci. Bon, même là, si je vois que... Ouais, c'est quand même... Il y a des riches. Ouais, au final, j'avais réduit légèrement, enfin non, quand même beaucoup, la valeur des terrains, pour ensuite la remonter, puisque j'avais lancé la ville, qui est là-bas, qui n'a pas encore de nom, qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais en tout cas, on va la renommer, puisque j'ai un nom à la proposer. Donc, cette ville est faite pour accueillir des population pauvre quand même. Bon, il y aura des riches, une petite minorité, mais il y aura des riches quand même. Et voilà, donc parce que il faut quand même fournir des travailleurs pauvres pour cette ville. Vous voyez, au niveau demande population, que ce soit des riches aisés ou des pauvres, c'est... Mais le problème, c'est que nous avons un manque de place. Nous avions construit le siège pétrole, je m'en souviens, le siège commerce, et la division... siège commerce, ouais, j'avais fait la division... Bah, c'est laquelle? Division pétrole, ouais. J'avais fait un siège commerce et j'avais fait division pétrole. Bon, il ne me sert pas énormément. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me donne construire un port comme ça? Voilà, le problème, c'est que je ne peux pas. Je n'ai pas accès à la mer ici. 13 minutes, ça va. Ça suffit largement, c'est bon. Vous pouvez attendre 13 minutes, les mecs. Au niveau de la gare, on a une bonne... Ouais, au niveau trafic routier, ça va. C'est plutôt pas mal. Ouais, la ville n'est pas du tout congestionnée. Les grands axes sont fluides. On a un bon réseau routier. Designé par moi-même, évidemment. Voilà, et en tout cas cette ville marche pour l'instant très bien. Bon, on est peut-être un petit peu en déficit, mine de rien, mais au niveau revenu pétrolier, niveau exportation, ça rentabilise largement le déficit budgétaire. On a deux grands puits de pétrole, donc 11 000 pour les deux, voilà. Et je fais un maximum de profit par jour, voilà. Mais aujourd'hui, on va quand même... Vu qu'ici il manque un petit peu de place, on y reviendra après. Je vais essayer vraiment qu'il y ait des buildings ici. Je veux qu'il y ait des gros buildings. Je veux de la richesse. Cette ville sera... Oula, pardon. Cette ville sera... J'ai bougé le micro. Cette ville sera riche. Voilà. D'ailleurs, justement, il y a déjà des immeubles assez... Le quartier n'est pas très sain. Assez classe qui commencent à sortir de terre. Et en plus, il y a des cactus sur les côtés. Mais comme ça, le quartier n'est pas très sain. Alors ça, je suppose... Pourtant, je viens de construire un hôpital. Ah oui, c'est l'hôpital qui m'a ruiné, en fait. Oui, c'est pour ça que je suis en déficit, parce que j'ai construit de nouvelles installations hospitalières. Enfin, de santé. De nouvelles installations sanitaires. Et rien que ces deux modules, ça m'a coûté la peau du cul. Mais vraiment, hein, ça m'a... C'est un gouffre financier, cette connerie-là. Là, normalement, j'ai largement assez de capacité. Bon. Cela étant dit... Ah, je vais juste voir ce qu'il me demande... Vous pensez à l'avenir, Learn to Play, oui. La population croît et l'espace est restreint, oui. Que se passera-t-il lorsqu'il n'y aura plus assez de place pour loger tout le monde dans la ville? Je suis d'accord, nous devons envisager de construire une arcologie. Ce serait beaucoup de travail, mais cela nous permettrait de vivre à l'extérieur de la ville. Ah, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, écoutez, chantier arcologie. Donc ça, c'est un grand travail. Enfin, c'est un grand chantier, vous voyez. On va tout de suite aller voir. Alors, voilà, donc c'est ça. Un grand travail. Il y en a deux. Donc je pense qu'on fera, on a la possibilité de construire 4 grandes infrastructures. Donc une centrale solaire qui fournit la masse d'électricité. Un aéroport international qui fournit du touriste et les marchandises. Alors l'aéroport est un des...
est une des structures les plus rentables et les plus utiles, hein, il faut le dire. Nous avons aussi le centre spatial pour les touristes et l'éducation, si vous voulez faire une ville très très, pas cultivée, mais très très en avance niveau technologie. Bon, par contre, ça coûte cher, ces structures coûtent des ressources, bien sûr, qu'il faudra générer, comme par exemple du mazout, de l'alliage, des ordinateurs, enfin, quelques ressources comme ça. Bien sûr, on pourra importer ou alors les fabriquer nous-mêmes. Et archéologie, la construction de ce chef-d'œuvre. L'architecture humaine nécessite des employés qualifiés, des ressources dans cet écosystème contient tout le nécessaire pour faire vivre une communauté massive. D'accord, j'avais jamais compris ce que c'était archéologie. D'accord, en fait, c'est un. Ok, mais c'est génial. En fait, ça permet ça génère des employés, des consommateurs et des étudiants. Oh, bah, c'est parfait. Ah, bah, il nous faut au moins je sais pas, archéologie, au moins dans la région. Ensuite. Je pense qu'on se tournera vers l'aéroport ou le centre spatial. La centrale solaire, au final, je trouve pas ça super super utile pour l'instant, vu que on peut quand même se débrouiller facilement avec les centrales nucléaires. Bref, cela étant dit, vous savez tout sur les grands travaux. Hop, on va charger à Plaine de Liguane. Donc voilà, j'ai trouvé un petit nom. Dans les commentaires, il y avait quelques noms. Je l'ai pris parce que déjà il sonnait bien. Donc ce nom, c'est Poor City, qui veut dire la ville des pauvres. Voilà. Poor en anglais. Ça sonnait bien, je trouvais. Enfin, c'est dans la bouche, c'est agréable à dire. C'est Poor City. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est agréable à dire. Et aussi. Donc là, j'avais un truc un peu dégueulasse avec les avenues. Oui, j'avais installé. Alors, c'était quoi? C'était pour l'éducation. Oui, le ministère de l'éducation, tout à fait. Par contre, fallait pas trop que j'améliore la richesse. J'ai peut-être fait un petit peu trop. Résultat, il y a des trop trop gros riches. Et oui, du coup, ouais, la demande est assez élevée. Bah écoutez, c'est pas grave. On va quand même se développer un petit peu ici. On fera une zone de riches par là. On met un peu d'industrie. Non, on va plutôt se développer par là. Il y a une zone de riches dans ce coin-là. Parce que si, je veux quand même caler des industries. Ok, bon, on va se lancer direct. C'est parti. Par contre, pour cette ville, je reste quand même... Là, je reviens à un schéma assez quadrillé. Enfin, sur le modèle américain, comme j'aime bien dire. Bon. Bien sûr, j'essaie de faire un truc un minimum joli. Mais du coup, là, ça sert à rien d'avoir pris les routes courbes. Faut quand même que ce soit joli, hein. Alors là, c'est vrai qu'une courbe, ce serait magnifique, là. Quoique, sur les bordures de ville, j'aimerais bien faire... Attendez, on va tester ça. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Ça peut faire sympa, ça. Eh, ah oui, par contre, effectivement, l'angle est trop grand. Bah écoutez, regardez, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, voilà, ça peut faire joli en bordure de ville. Et en plus, il y a quand même un petit peu de place pour placer des services publics. Pardon. Ah, ça gratte les gorges. Allez, bah résultat, je vais encore ajouter des logements. Je gagne de l'argent, 3611 par heure. Pour l'instant, je n'exporte aucune ressource. Et les guides, là, les routes font planter complètement. Allez hop, c'est parti. Pardon, contrôle. Voilà, c'est parfait. On va rajouter un petit peu d'industrie parce que la demande est, je suis d'accord, assez faible. Mais faut pas négliger ce petit paramètre. Alors quand même, par contre... Non, dans l'autre sens. Ah ouais, j'aime bien ça. C'est pas mal. Ouais, bah du coup c'est bien. Je vais pouvoir installer de l'industrie. Bon, me faire gagner encore un petit peu d'argent. Oui, j'allais dire, faut pas que j'oublie que j'ai une gare ici. J'ai construit. Que j'ai une ligne de chemin de fer. Et j'ai construit une gare. Une minute d'attente, 2000 passagers par jour, mine de rien. Ouais, bon là il va encore me saouler avec l'autre là. Ok, alors, je passe le temps assez rapidement. Mon but, déjà j'ai construit une école primaire, j'ai mis toutes les extensions. Classe, donc j'ai toutes les classes supplémentaires. Là, j'ai assez de capacité. Donc pour le coup, je vais
Tac, 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 tac. Voir. Éducation, c'est où? Voilà, pour foutre un lycée le plus vite possible, parce que je veux augmenter le plus rapidement possible le niveau technologique, enfin le niveau d'éducation d'abord, et ensuite le niveau technologique. D'ailleurs, je vais construire. Alors, je sais pas si je construis une université ou. Je sais pas si. Ouais, si. Si, je vais faire une université ici dans cette ville. Ouais, ce sera fait comme ça. Par contre, ouais, alors niveau service public, pompiers. J'ai construit une caserne de pompiers, il me semble. Non. Ah non. Et une petite clinique. Bah attendez, je vais voir déjà si je peux me fournir chez Petrol Town, puisque déjà il y a des ambulances, il y a des voitures de police en nombre, donc normalement il n'y a pas de problème. C'est où? Santé. Ouais, bon alors attendez, faut que je switch. Bon, on va se retaper un temps de chargement, j'espère qu'il ne sera pas long. Je vais proposer des véhicules de pompiers, des ambulances à Poor City. Et mine de rien, ici, ça noircit pas mal. Alors, comment on va faire ça? Tac. Hop. Sélectionner notre ville. Voilà. Donc, je vais lui proposer... putain, j'ai beaucoup d'ambulances. C'est quoi, ça? Camion sanitaire. Bon, on s'en fout du camion sanitaire. Allez, on va prendre une petite... On va... Peut-être... Trois... Non, allez, deux ambulances. Pour l'instant, ça suffit largement. Pas besoin du camion sanitaire. Et 10 voitures de police. Voilà. Tac. 3 pour l'instant, ça suffit, vu que la ville n'est pas très grande. Après, peut-être... Ouais, quand j'aurai construit un gros commissariat dans cette ville, si j'ai la place... on verra pour les autres véhicules. Et les pompiers... un camion. Allez, par contre, les pompiers, ouais, faudrait que j'augmente peut-être la taille. Ok, bah c'est bon. Ouais, c'est sympa de ce système. Donc ça, c'est propre à SimCity, bien sûr, on peut se proposer des services... Bah, tel que par exemple le partage des véhicules de sécurité. Ça, c'est assez utile pour éviter de payer un max de pognon là-dedans au début. Quand vous commencez une autre ville. Alors, on est à combien? Il nous faut 15 000 habitants. On est à 4400. Ouais, il faudrait augmenter. Hein. Bah, du coup, on va repasser le temps vite. Ok, j'ai réussi à stabiliser. Quoique les incendies. Ouais, service assuré par moi-même. Enfin, par Petrol Town. J'aurais peut-être faire une route ici, là. Ouais, je vais faire une route. Tac, tac. Voilà, comme ça, ça nous fera économiser un peu de place ici aussi, hein. Non. Non, peut-être pas non plus. Allez hop, on urbanise. Je veux... Déjà, je vais économiser un petit peu. Je suis à 42 000. Il faut que j'obtienne les fonds nécessaires pour construire mon lycée. C'est une nécessité, dirais-je. Ah oui, mais du coup, là, j'ai fait peut-être trop de routes courbes. Tac. Hop. Quand je dis que je fais dans le quadrillage, c'est juste à l'intérieur. Après, à l'extérieur, je peux faire... des routes courtes quand même. Oh, hein, je vais pas faire une... Putain, les guides, c'est... Virez-moi ces guides, ça fait planter le jeu plus qu'autre chose. Pour l'instant, ça va niveau demande commerciale. Et on a une prédominance des logements et le commerce tient quand même. Ah, quoique, peut-être des commerces un petit... des commerces plus riches. On l'en fera quand on développera la zone. Là-bas, j'avais pas regardé. Est-ce qu'il faut des conditions? Non, il faut juste 60 000. Bah, c'est parfait. Dans une heure, on pourra construire notre premier lycée. En attendant, on va construire d'autres quartiers. Écoutez, alors j'ai toujours pas le DLC, mais je compte me l'acheter peut-être le mois prochain. Je ne vous promets rien, c'est absolument pas sûr, mais j'ai envie de me l'acheter. Il me tente pas mal. Putain, ici, j'ai envie de faire un truc. Me tente pas mal, ouais. Ah, pas mal, c'est joli, ça. Donc, voilà. Je vous ferai probablement des vidéos sur le jeu. Donc là, la demande pauvre, paf, a chuté. Du coup, c'est bien parce que ça me permet de fournir des travailleurs pauvres à Petrol Town. Waouh, qui de loin est pas mal, quand même. Hein.
Il faut le dire. Ok, j'ai assez 67 000. On est parti pour poser le lycée. Qu'on va placer bah, dans cette zone-là. Hein. Du coup, on va pas se gêner. J'ai peur de faire une connerie niveau place. Donc le lycée, on va le mettre là. Alors, déjà, le petit panneau. Le petit drapeau. Ah, j'adore ça. C'est marrant parce que lycée, ouais. Ils sont toujours... pas grandiose, mais avec les grands escaliers, la grande devanture magnifique, les lycées américains. C'est ça qui est marrant. Puis il y a même les cactus, vous voyez, ça s'adapte au terrain, c'est fun ça. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai? Gymnase, augmente la valeur du terrain. Ah, ça augmente la valeur du terrain, le gymnase. D'accord. Ah, ouais, je peux mettre une classe au-dessus. Pas cette team fouse. Ah, oui. D'accord, 17 000, il va falloir que j'attende un petit peu. Sinon, je suppose qu'au niveau des panneaux... Je vais quand même rajouter là. Ok, normalement là, bonne couverture. Je vais peut-être en rajouter un. Je rajouterai quand j'aurai de l'argent un bus, parce que ça coûte cher par heure. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? J'en ai assez de conduire les enfants à l'extérieur de la ville pour qu'ils fassent du sport. Ah oui. Si on avait notre propre gymnase, ils pourraient jouer ici. Et puis cela ferait venir des touristes pour les événements sportifs. Je suis d'accord. Sauf que je n'ai pas les moyens pour l'instant, si tu le permets. Ah si, j'ai les moyens. Bon, j'ai rien dit. Ah, joli. Beau gymnase. Putain, même le gymnase, il a la classe, quoi. Ça fait un peu bizarre, quand même. Il est... pas très très ouvert, il n'y a pas beaucoup de fenêtres sur les côtés, je veux dire. Ouais, mais il est pas mal, c'est joli. Et on mettra des classes après quand on aura un peu plus d'argent. Donc, cela étant fait, le niveau d'éducation et le niveau de technologie, enfin, le niveau technologique tout seul, devrait augmenter d'ici peu. Alors, attendez, par contre, faut pas que je fasse le con. Parce que là, je viens de faire un truc dégueulasse, au fait. Bah, au pire, je pèterai ses routes. Je pèterai ses routes et je foutrai... je ferai continuer l'avenue, mais là... Là, c'est vrai que j'ai fait un truc pas très propre. Je vais faire attention aussi, je ferai un réseau d'avenue. Bah, je peux le faire maintenant, d'ailleurs. On va pas se gêner. On va faire un truc droit. Ouais, mais droit... Attendez, c'est droit comment là? Parce que. On va se mettre vu d'au-dessus. Ouais, comme ça. On va pas faire trop large. Ah oui, j'ai pas assez de team flows, d'accord, je l'ai. Non, il va pas me saouler avec les angles, quand même. Puis ça, on mettra du quadrillage. Je prévois pour après, hein, en effet. Ce qui fait que, ici, je peux quand même développer. Voilà, par contre, évidemment, j'ai une demande très élevée au niveau de la population des travailleurs aisés. Enfin, classe moyenne, on va dire. Allez! Ouh, putain. Ah oui, ici, c'est un petit peu chaud. Je vais peut-être améliorer. Sinon, on va se retrouver... Ah oui, 2000. Ah oui, ça rigole pas. D'accord. Ok. Ok, ok. Du coup, je sais plus ce que je faisais, moi. Si, qu'est-ce que je faisais? J'ai oublié. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Bon, tant pis. Tant pis. On va continuer par là. Ouais, on va même continuer jusqu'à la... Hein? Ah ouais, je peux faire traverser avec la voie ferrée, génial. Sauf que non, j'ai pas envie. On va laisser de la place pour qu'il y ait des habitations.
Ah ouais, du coup, là, ça va être... C'est pas très droit, tout ça. C'est pas grave. Ça donne du style, je trouve. Ouais, c'est pas mal, même, hein, au final. Ça change. Mettre une route là. On mixe un peu toutes les routes. C'est ça qui est bien. Hey, hey, hey. Ok, bon. Normalement, ouais, j'ai 30 000. Hop, on va rajouter une classe. Ah, il me faudra un tout petit peu plus pour mettre une deuxième classe, très cher. Voilà, comme ça, tac, on aura plus à y penser. Normalement, c'est parfait. Ok, bon. Ah, mais attendez, par contre, j'y pense. Le lycée. Attendez, on va voir. Augmente la valeur du terrain, du richesse moyen. Mais est-ce qu'il faut que j'augmente aussi la valeur des terrains aussi pour que le niveau d'éducation augmente de même, en fait? Je suis en train de me poser la question. Et ce serait peut-être pas con, en fait. Je suis... Non, la demande de région est encore très très élevée. Et c'est bizarre, pourtant... Eh les mecs, c'est à côté, hein. Vous pouvez vous déplacer, vous savez. Je vais bientôt 15 000 habitants. C'est bien, ça. C'est bon, ça. Aussi, je vais faire une petite nappe, petite zone pour les travailleurs. Modestes. Là, j'ai envie de faire une route courbe. Et direct, en plus, ils empruntent la route. Ah, j'adore! J'adore, j'adore, j'adore. J'adore! Ah bon, j'adore. Ça me fait tout. Ça me fait tout. Ça me fait. Tout c'est. Oh la vache. J'aurais pas dû dire ça. Bref. Putain. Je me. Mon dieu. Ah, vous en prenez plein les oreilles. Alors. Ici, je vais augmenter la valeur des terrains, disais-je. Oh la vache. Oh. Oh, j'en peux plus là. Oui, donc la valeur des terrains, c'est ce qu'il nous faut. On va faire ça de suite. Oui, je sais pas pourquoi je fais pas ça avec contrôle, mais bon, bref, c'est pas un souci. Mais le lycée augmente déjà la valeur du terrain, ça c'est bien. Mais. Le petit dernier. Ce n'est pas assez, voyons. C'est peut-être un peu gros, ça. C'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est pas mal, ça. Pourquoi on a approuvé le ministère du tourisme? Ah, ouais. Bon. Ça, normalement, ça devrait... faire venir une population un petit peu plus riche. Logiquement. Je dis bien logiquement. Ici, je vais faire une trop... Oh, c'est pas ça. Ah, j'ai mal cliqué. Oh, ça fait un truc marrant. Mais j'ai mal cliqué, en fait. J'ai mis-clic. Ah, bah c'est pas grave. Au pire, ça fait une forme... arrondi, Michel. Alors, je suis en train de me demander ce qu'il faut. Ouais, je tente des trucs. Je perds peut-être un petit peu de place. Ouais, mais ici, alors comment je relis ça, moi?
Non, ça c'est pas beau. Je suis emmerdé. Attendez, je veux juste voir quelque chose. Oh, ça va, c'est acceptable. C'est acceptable. Bon, c'est pas le plus joli truc, enfin, joli, le plus joli agencement que j'aurais fait dans ma vie, mais c'est pas grave. Ici, on va améliorer. Ici, on va améliorer. Ouais, parce que là, ça commence à bouchonner sévère. Surtout ici, là. Putain, pourquoi j'ai pas amélioré ça, là? Pourquoi j'ai mis des routes de terre? Oui, c'est au début. À chaque fois, je mets des routes de terre. Bon, c'est vrai que ça limite les coûts. Hein. Ça limite grandement les coûts. On s'occupera du reste de la ville. Plus tard. Ah, mais je peux améliorer. Tac. Amélioré, alors, nouveau ministère. Je suis à 16 000 habitants. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Sachant que celui-ci est dans la région, placé dans la région, placé dans la région. Ben, on va prendre transport ou tourisme, voyez-vous. Allez, on part sur tourisme. Comme ça, ce sera placé dans la région. Sauf qu'il coûte 15 000 le bougre. Ah, ça m'a ruiné l'installation de ces routes. Vous voyez, ça fait, ça, c'est beau, on dirait des buildings faits avec des routes. Si c'est pas mignon. Allez, on va relier ça, je viens de voir. Ah oui, mais du coup, j'aurais dû l'améliorer. Ok, ceci est fait. Voilà, bon. Alors, est-ce que j'ai moyen? Oui, 19 000, tout à fait. Allez, tourisme. Tac! Le ministère du tourisme est placé. Bon, bah, tous les ministères sont placés, à part celui des finances, qu'on mettra probablement, sans doute, bientôt. Donc, le lycée, c'est fait... je vais peut-être... 7 morts par jour! Ouais, bon, allez, je vais foutre une clinique, quand même. Et oh, passé team... Oh putain, passé team flood. 20 000 Bon, je vais attendre un petit peu, je vais quand même mettre une clinique, parce que c'est vrai que 7 morts par jour dans une ville de 16 000 habitants, ça fait peur quand même. Ça fait très très peur. Il y a qu'un bus ici. Je vais peut-être en rajouter un. Ah, le niveau d'éducation est resté à 1. Bon. Il faut. Eh, il faut, il faut. Mais oui, il faut. Il faut, il faut, il faut. Il faut plus de SimCZ là. Ah, là c'est bien, là ça va faire venir là. Ah là c'est bien, c'est bien, c'est bien. Poubelle, ah oui les poubelles. Est-ce que j'en ai fait dans ma ville d'avant? Oui, ça c'est un problème. Oui, effectivement. Attendez, on va aller voir, on va faire un tour ici. A besoin de pétrole brut, tu te fous de moi ou quoi? Bah tiens, ça va me faire. Ça va me permettre de faire un petit point au niveau des ressources pétrolières justement. À Petrol Town. Au niveau des ordures, oui, bah oui. Mais est-ce que je peux fournir? Bah oui, je peux. Normalement, je peux. Tout à fait. Par contre, j'ai des problèmes d'eau. Je perds 2000. Ah oui, j'ai des problèmes d'eau, oui. Oui, 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 oui. Et oui. J'ai des gros problèmes d'eau. Mais alors, est-ce que... Je sais pas si Power City a beaucoup de nappes d'eau. Ici, j'en ai vraiment beaucoup, quoi. Si je donne... Enfin, voilà, si je produis de l'eau à Power City et que j'exporte... En plus, ici, ça commence à être un peu pollué. Ah, même le parc, il a besoin d'eau, quoi. Enfin, oui, c'est normal, mais... Alors, avec ça, est-ce que ça va... Ah oui, déjà, oui, beaucoup. Là aussi. Ah, et... Ah oui, là, déjà, c'est mieux, là. Voilà. Eh hey. Hey, que des châteaux d'eau, les mecs, hein. S'il vous plaît, prenez-en de la graine. Oui, bon.
On va pas s'attarder plus que ça. File-moi plus de camions poubelles. File-moi en 3. Je te laisse la moitié dans 2. Parce que quand même, faut pas exagérer. Niveau transport scolaire. Waouh, trop bien. Transport en commun. Donc on a les trains, les bus. Ah putain, il y a beaucoup de bus à Petrol Town. Service du Rocky, ouais, pas de problème. Employé, Poor City, recherche des employés de niveau de richesse élevé, développé aux jeunes résidentiels, les employeurs iront à Port City. À Port City. À Port City. Ouais, bah c'est bon, je peux revenir. Bon, bah, elle se développe bien, cette petite ville. Le tout, c'est que le niveau, il faut que le niveau technologique et le niveau d'éducation augmentent, quoi. C'est ça, le truc. Bon. Du coup, je sais plus ce que je faisais. Encore une fois. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai énormément d'eau. Ah bah, je vais faire une station de pompage, hein. Y a pas de lézard, comme qui dirait. Pas cette Team Flows. Voilà, foot, ici, là. Ça coûte combien, cette connerie? 44 000 ah, d'accord. Bon, bah, on va attendre un petit peu. Ah bah, du coup, va falloir que je re-switch encore une fois entre les deux villes. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, pompier? Qu'est-ce que tu me dis, pompier, là? 5 ruines. Ah, il y a de la ruine, hein, quand même. T'as ce qu'est maison? Ouais. Ah bon, c'est bon. Voyons voir au niveau du niveau technologique, justement. Le niveau technologique est au plus bas, hein. Et pourtant, alors, eh ben, est-ce qu'il faut... On va essayer de faire l'université. L'épisode, je vais le faire de 40-45 minutes, on va voir. Ça va être encore chiant à uploader, mais c'est pas grave. Ah, ils veulent un lieu de culte. Ouais, un lieu de culte. Je vais te donner ça, moi, tu vas voir. Culte. J'ai pas mis l'église. Allez, je vais mettre l'église. Parce que c'est vrai que dans l'autre ville, j'avais mis... j'avais mis la mosquée. C'est vrai, elle était cool, en plus, la mosquée. Là, je vais mettre l'église. Parce que j'ai envie. Voilà. Et en plus, ça embauche. Oups. Ah oui, la station d'épuration. Voilà, c'est ça. Hop, on va la foutre là. Elle va être parfaite, là. Hey. Tac. Dans les dents. Et du coup, encore une fois, du coup... C'est quoi, ça? Ah oui, c'est un pompe à filtre. Bon, là, c'est pas la peine, c'est pas pollué. Oh, bah, 115. Oh, bah, je peux largement exporter. Je peux exporter. C'est bien, ça. Acheter. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Je vais juste aller là, comme ça, pour régler le problème, pour pas être pris par surprise dans le futur. Hop, tac, tu mets ça comme ça. Oh. Et acheter. Voilà. En plus, ça fera un peu plus d'argent pour Poor City. Qui est toute jeune, hein. Elle est toute jeune, la Poor City. Toute jeune. Ça fait très américain, hein, vraiment. Comme ça, là, de ce point de vue-là, c'est... Vous avez vu, ça fait banlieue. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tac. Processus d'embauche, machin et tout. Ok, niveau université. Centre universitaire, augmente le niveau technologique des bâtiments industriels environnants. Ouais. Ah, la bibliothèque, je peux faire ça aussi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, un monstre géant. Putain, c'est quoi ce monstre géant? Ça ressemble à rien, quoi, les mecs. C'est Scrat version Godzilla. Je vous jure, ils ont pris Scrat. Oh, bah, génial, tu marches sur les maisons des pauvres. Oh, c'est marrant. J'avais jamais eu ça. En plus, tu montes même pas les routes. Ah, bah, c'est cool. C'est ça, regarde. C'est ton nouvel enclos. Par contre, tu vas pas déglinguer ma mairie, s'il te plaît.
Recule. Non mais regardez, ça ressemble à rien, sérieusement. C'est Chamozilla. Non, recule. Recule. Non. Oh, le sac. Oh, je le conchis. Je te conchis. Oh, il m'a tout pété, le salaud. Non. Le sac. Ah, mais putain, c'est quand tu rentres... Oh non, pas l'école, quoi, non. Oh non, putain, là... Là, faut pas déconner. Mais regarde-moi ça, mais... Mais c'est quand tu te casses, sérieux? C'est bon? Allez, vas-y, vas-y. Putain, mais l'enfoiré, il m'a bousillé ma mairie et mon école, quoi, le... Mais... Non! Non, non, là, je ne veux pas. Je n'accepte pas, surtout. Putain, quoi... Ah, mais je le conchis. Sans déconner, je le conchis. Du coup, il a amélioré. Oh, putain, il faut que je reconstruise. Oh, ça m'a coûté une blinde. J'espère que t'es fier de toi. Oh là là, le Scratzilla là. Il m'a tout défoncé, le Scratzilla. Ah bah ici. C'est les OGM ça, hein. Les écureuils, ils aiment pas. Bon. J'ai rien d'un con maintenant. Bah, il va falloir que je reconstruise cette école primaire de merde. Ah bah oui, attendez, là, c'est... J'espère que les... Non, c'est bon, les arrêts ne passent. Allez, c'est parti. Ça fait chier, quand même. Hein. Allez, 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 allez. Il me faut de la thune. On se dépêche. Ouais, il me faut... Oh là là, il va me falloir... Il va falloir 30 000, là. Pour remettre l'école à neuf. À neuf, pardon. 33 000, exactement. Oh putain, ça c'est pas bon ça. Ah ah, regardez, le niveau technologique a l'air d'augmenter un petit peu. Les ordures, mais pourtant là le service des poubelles un peu, mais le niveau technologique n'augmente pas du tout ici. Oh, sérieusement, non, je suis pas content là, Chamozilla là, enfin Scratzilla, il aurait pu se retenir. Heureusement que c'est pas arrivé dans l'autre ville, hein, sinon ça m'aurait fait péter un câble. Je suis désolé, je vais devoir vous détruire, je pense. Ah non, je peux les mettre derrière. On va faire ça parce que sinon c'est... Bon, j'aurais pété quand même deux maisons, mais c'est pas... C'est vrai qu'elle est un peu plus bizarre comme ça dans l'école. Il faut que j'ajoute un bus. C'est vrai qu'elle était mieux avec les deux sur les côtés, quoi. Oh, c'est pas grave, écoutez. Bon, et du coup, ça m'aura vraiment... fait chier, quoi, il faut le dire. J'étais en train de regarder au niveau des universités. Alors, augmente le niveau technologique des bâtiments industriels environnants. Augmente la valeur du terrain de niveau de richesse élevé. 1200 élèves ou étudiants par jour dans une ville de la région. Zéro jusqu'ici. Attends. Ah, mais parce qu'il m'a... Bah, regardez, 1000 sur 1356, qu'est-ce que tu me dis? Ah, bah en plus, le niveau technologique a augmenté, qu'est-ce que tu me dis, Michel? Fermé, ouverture du bâtiment ministère de l'éducation. Oh, me dis pas que. En activité. Et oh. Oh, Michel, tu fonctionnes là? Oh. Réouvre 3. Oula. Réouvre. Ouh là là. Réouvre-toi, Patrick, s'il te plaît.
je ne le répéterai pas. Ouais, tu as une petite bibliothèque ici. Je sais pas si ça augmente. Non, ça augmente pas le niveau. Peut-être le niveau d'éducation. Eh ben, fais en sorte que. Ah oui, d'accord, ok, lui aussi. Il a des objectifs en plus, le mec. C'est qu'il faut savoir. Bon, poubelle, ça commence à. Ouais, à être assez critique. On va rajouter quand même quelques commerces. Voilà. Ok. Bon. On est à 40 minutes. Oh là 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 là. Mon dieu. Qu'est-ce qu'on n'aura pas eu? Bon bah ça se développe bien, on est à 20 000 habitants. Bon, poubelle ça fouette un peu. Ah oui, on a que 119 poubelles ramassées sur 1743. Bon, ça je réglerai ça. Mais de mon côté, pour l'instant, voyons voir, côté université, 700... Ah oui, ouais, ça augmente. Par jour, non, ça réaugmente. Ici, ok, c'est bien. 127 sims. Je voudrais un peu plus, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi. On va rajouter de la capacité encore pour pas être surpris plus tard. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut coupler centre universitaire et université? Oui, je suppose que oui. Bon, on mettra les deux au pire. Hein. Bon, je sais pas si ça. Non, ça va peut-être me coûter beaucoup. Ici, ce sera le campus universitaire. Le grand campus. Enfin, non. Je veux dire, je vais peut-être séparer la mairie. Je mettrai le campus ici. Au milieu. Ouais, ça risque d'être pas mal. Franchement. Ouais, ça risque d'être bien. Ça risque d'être très très bien. J'en tousse tellement, ça risque d'être bien. J'ai un peu d'industrie en plus, c'est parfait. Il faut toujours. Enfin, pas forcément, mais. Un petit peu d'industrie, ça fait pas mal. Voyez, on a une petite zone industrielle. Bon, en face des bâtiments riches, elle fait pas trop trop, mais. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les affaires ne sont pas mauvaises. Produits de beauté. Ah! Ben voyez! Vous voyez comment les produits de beauté sont faits, mesdames? Parce que ça, c'est de la graisse de baleine. Enfin, de l'huile de baleine. Enfin, un truc à base de baleine. Un ingrédient. Regarde-moi ce lycée, ça ressemble à rien. C'est pas grave. On aime quand même. Ok. Ah, je peux la faire. Je peux faire l'université. Bon, on va se quitter là-dessus. On va la faire. Il faut combien? Ah. Ok, bah on attend une heure. Bah non, on attend même pas une heure. Hein. Voilà, comme ça, on va pouvoir se quitter là-dessus. Oh, il me manque 2000. Bon, bah si, on attend une heure. Eh, hey, regardez-moi ça. Le niveau technologique augmente beaucoup, hein. On est à 2, peut-être 3, bientôt 4. Par contre, j'espère. J'espère que c'est pas une zone d'influence. J'espère que ça agit sur toute la ville. Oui, c'est bon. Ah non, quoique. Bâtiments industriels environnants, est-ce que ça fait toute la ville? Ah, je sais pas. Université, j'ai envie de la mettre derrière, voilà, comme ça. C'est bien, là. L'université. Alors, l'université, c'est génial, parce que, vous voyez, on peut lancer... pardon. Des projets de développement, et on peut l'améliorer. C'est comme une mairie, une université, finalement. Et on peut, bien sûr, l'éditer. Ah, bon, ah, ça, on est obligé. Le petit panneau... Ah, on peut faire des rues piétonnes, oui, parce qu'on peut faire des campus, hein, c'est... Regardez-moi ça, toutes ces extensions. Déjà, on peut mettre des dortoirs qui ont la classe. Ah oui, on peut mettre des divisions, école de commerce, augmente la valeur du terrain, école d'ingénieur, ça, c'est bien, ça. Et toutes ces divisions vous accordent bah, des bonus. Et ça, c'est bien. Beaucoup de bonus, même, des bonus très intéressants. Donc, on va se faire un grand campus universitaire. Ici, là, au milieu, on va faire un truc joli. Très joli. Et par contre...
Niveau ordure et incendie, il va falloir... Il faut que je fasse un commissariat, hein. Écoutez, je vais faire un commissariat. Ah, j'ai pas assez. Bon, je ferai ça plus tard. Bon, pour l'instant... attendez, je vais vous montrer les projets de développement. Alors, on a plusieurs, voire beaucoup, c'est-à-dire 10 projets de développement à réaliser dans le, à l'université. Bon, bien sûr, ils vous coûtent pas mal d'argent. Bon, 62 000, ça va, c'est à peu près. Lorsque vous avez les moyens de vous payer l'université, en général, vous avez les moyens de vous payer un projet de développement à 62 000 simflouz. Donc, par exemple, on a les panneaux solaires thermiques. Accord, l'autorisation de construire le panneau solaire technique, voilà. Ça vous permet de découvrir des innovations, enfin, de faire des innovations technologiques. Là, en l'occurrence, en termes énergétiques, des panneaux solaires plus performants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chantier de centrales solaires. Ben voilà, aussi, ça vous permet de débloquer les grands travaux. Et ouais, faut l'université pour débloquer les grands travaux. Projet de développement. Ouais, c'est de cette façon-là que vous pouvez lancer les travaux des grands chantiers, quoi. Éolien à axe vertical, réacteur thermique deuxième génération pour les centrales nucléaires, réacteur à neutrons rapide, générateur à charbon propre, ça, on le fera. Je sais pas si ça marchera pour... je sais pas si ça vaudra pour le... Pour la ville d'à côté. Petrotron, générateur à pétrole propre. Centre chirurgical. C'est bien ça. Ah ouais, pas mal de trucs. Bureau d'enquête, chantier, centre spatial. Et panneau solaire. Ah bah oui, je suis con. Jeu spatial. Et archéologie, y'a pas? Non, archéologie, apparemment, y'a pas. Donc voilà, plein de projets de développement qu'il sera bon de développer. Mais on fera ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. Putain, j'ai tourné pendant longtemps. Hein. Ouh là là, ça va être lourd à uploader. Mais c'est pas grave. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, j'attends de guérir pour vous faire la vidéo spéciale 2000 abonnés, puisqu'on est déjà bientôt à 2100. Ça m'énerve un peu. Je vais faire une petite vidéo, voilà, pour marquer le coup. Pour les 2000, disais-je. Et voilà. Et puis les autres séries qui reviendront en même temps. Je vous ferai peut-être un stream aussi. Voilà. Donc sur ce, juste avant de se quitter. Chantier non approuvé, non approuvé. Ville de 58. Ah, il nous faut 58 000 habitants dans la région. On est à... Ah non, une ville de 58 000 résidents, d'accord. Oui. Je suis d'accord, bon. Bah on va essayer de faire ça avec les villes hein, qu'on a ici, avec Petrotown, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Une fois qu'on aura des buildings et que ce sera développé, on atteindra ce chiffre très rapidement, croyez-moi. Juste... Eh oh. Eh ben. D'accord. Génial, merci. Pas du tout bugué. Pourquoi il m'affiche plus les menus? Ok, c'est bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Moi, je voulais faire l'aéroport. Un aéroport municipal dans la région. Ah, ouais, ça. Faudrait que j'ai la place. Et 100 touristes arrivent à l'aéroport municipal dans la région. Oh, ça, normalement, c'est bon. Université, école d'ingénieurs, ça, on s'en fout. Ok. Par contre, au niveau ressources, 2800 tonnes de métal, 1000 tonnes d'alliage. Et des caisses de téléviseurs. Ok. Bon, on verra ça dans le prochain épisode. Donc sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire comme j'ai dit avant, un petit j'aime. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.